les États-Unis vont envoyer des avions de combat F-16 Fighting Falcon à la Roumanie après l'écrasement et l'explosion de drones russes sur le territoire du pays. Des fragments d'un autre drone russe ont été retrouvés sur le territoire roumain. L'information a été officiellement confirmée par le président de la Roumanie, Klaus Iohannis. Il en a déjà informé l'OTAN. L'armée de l'air américaine enverra des chasseurs F-16 Fighting Falcon de 4e génération en Roumanie. Ces appareils soutiendront la mission de l'OTAN consistant à patrouiller l'espace aérien du pays européen. Dans le même temps, ni le département d'État américain ni le ministère roumain de la Défense ne précisent comment les F-16 agiront en cas de détection d'un drone russe. Des drones russes ont été abattus à 2 reprises sur le territoire roumain cette semaine. Lundi, l'Ukraine a signalé l'explosion d'un drone sur le territoire de son voisin. L'explosion s'est produite lors d'une attaque contre des infrastructures céréalières dans la région d'Odessa. Dans un premier temps, les autorités roumaines sont niées les allégations de chute et d'explosion de drones sur leur territoire. Dépendant, mercredi, le gouvernement a officiellement annoncé la découverte de fragments de drones.